Nous reprenons aux explications de vote sur la motion numéro 59 rectifiée bis, tendant à opposer la question préalable sur ce texte. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais, mettre, je vais mettre aux voix la motion numéro 59 rectifiée bis, tendant à opposer la question préalable. Monsieur Paco, pour explication de vote, je vous en prie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, c'est peut-être ma naïveté de, de jeune parlementaire, mais j'avoue avoir été très surpris tout à l'heure par euh, les explications, les justifications de la motion préalable. Euh, concrètement, la proposition de loi serait inopportune, entre guillemets, parce que trop précoce, parce qu'on euh, qu attend, parce que le gouvernement attend le rapport d'un haut fonctionnaire. Alors, je ne. Doute en aucun cas des qualités éminentes du préfet Morvan. Mais je doute encore moins, je doute encore moins des qualités, de l'expérience, de la connaissance des problématiques territoriales de Philippe Ba, de Mathieu Darnault et de Bruno Retaillot. En euh, écoutant les euh, explications ensuite de notre collègue, euh, un doute m'a pris. La mission première du Sénat ne serait-elle pas de légiférer C'est une vraie question. Et différents épisodes plutôt pathétiques, relativement récents, dans cet hémicycle, que je, sur lesquels je reviendrai guère, on en a parlé tout à l'heure revalorisation des petites pensions agricoles, transfert des compétences eau et assainissement. Tout ça pose quand même question. Le gouvernement et les marcheurs n'aiment visiblement pas le débat parlementaire, sauf quand il vient de lui. Alors mes chers collègues, un pays où on veut faire taire le Parlement, un pays où on veut faire taire, tout simplement, on va bientôt parler de la loi sur les fake news, c'est un pays qui a du souci à se faire. Je ne voterai pas cette motion préalable, tout simplement parce que je préférerais toujours une république parlementaire à une technocrature fut-elle jupitérienne.